Bonjour à tous et bonjour à tous, ici Fonfon de 85 et aujourd'hui on va reprendre le tournoi de la Kaiba Corporation où on va affronter un adversaire qui montre bien que le niveau du jeu vient d'augmenter sans qu'on se rende compte. Alors si vous pensez que Shady était l'adversaire que je pouvais craindre le plus puisque vous m'avez vu galérer contre lui, ne croyez pas. Mais Shady était vraiment faible normalement, c'est juste qu'il m'a fait un petit troll. Et du coup, on va se taper vraiment le premier bonhomme qui peut nous faire chier. J'ai été obligé, je vais en profiter en construction du jeu. J'en ai profité, ah ça lag beaucoup, je suis désolé. J'en ai profité pour acheter quelques cartes. J'étais obligé de me racheter un dragon parce que j'avais pas gagné suffisamment de dragons avec Mai. Donc normalement je pourrais invoquer jusqu'à 3 dragons et faire la tête. Et j'ai acheté aussi la carte de la montagne, ce qui va beaucoup me servir contre Bakura. Parce que Bakura, vous allez voir, c'est un adversaire qui est excessivement fort. Et surtout, il peut me faire chier. Ok. Let's go to hell. Que veux-tu faire? Ça lag beaucoup, ça bug beaucoup, je suis désolé. Ben, on va affronter Mister Bakura. Match 2 de la phase finale, Yugi's Bakura. C'est drôle, je n'avais pas l'intention de participer à ce tournoi. Mais mon ami du Millennium, il m'a incité à combattre. Eh oui. Il possède le deuxième objet du Millennium, l'anneau du Millennium. Deux points. Oula! Heureusement qu'il fait pas trop peur sous sa forme de Yami Bakura, parce que là, si j'étais Yugi, je commencerais à paniquer. Là. Oh la vache, il a changé de forme! Ça fait plaisir de te voir, Yugi. Il est grand temps de prouver qui est le vrai maître du jeu. Tu sais, à la base, le titre de maître du jeu, mais tu t'en bats royalement la couille. Puisque il faut. Il faut pas le croire, mais il est vraiment le boss final du manga. C'est le méchant final du manga, en fait, il se fait passer pour un adversaire, un méchant un peu au style Team Rocket, mais plus tard il devient vraiment le méchant principal du manga. Ce n'est pas une blague. Qu'est-ce que je dois dire sur Bakura? C'est vrai que j'ai fait une énorme pause, mais je suis désolé. Bakura possède des monstres défensifs horribles. En fait, son monstre le plus puissant en défense, c'est Mur du Labyrinthe, qui a 3000 points de défense. Et vous voyez que aucun de mes monstres, pour l'instant, est assez fort pour contrer son nombre de points de défense. Ma stratégie, en espérant que je l'aurai, c'est d'avoir Dragon Éclair de Tête et la carte montagne le plus tôt possible pour que je puisse contrer. S'il me joue Mur du Labyrinthe, parce que sinon vous verrez qu'il est quand même assez faible quand même. Il a quand même des cartes puissantes, mais il montre vraiment que le niveau se tient augmente. Mais si je l'utilise bien, je peux m'en sortir. Et j'ai quand même déjà ma seconde fusion préférée de mon deck. Et c'est parti. D'abord Mavilus. Alors attendez 2 secondes. Mavilus et l'oiseau du soleil. Ma deuxième fusion préférée, que je suis content qu'on va vous montrer, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai pas eu de chance. Maintenant, prions sur la carte qui va jouer, et espérons qu'il ne joue pas son mur du labyrinthe. Alors je suis désolé si ça bug. Oh, c'est un monstre Mercure. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mur du labyrinthe. Mais j'attaquerai quand même avec l'oiseau du soleil, puisque j'ai des gros doutes sur ce monstre. Parce que ça peut être un monstre également qui a 2000 points de défense. On va invoquer la reine de l'automne. T'as aujourd'hui il a décidé de beaucoup bugger, hein. Je suis désolé. Ok. À la Jack Test. Quel était le son? Elfe noir! Ok, j'aurais pu attaquer avec ma reine de l'automne, mais tant pis. Et voyez, 2000 points d'attaque! Mais bon, je préfère mieux qu'il invoque
un imprimeur que plutôt un verra. Alors l'épisode sera soit long, soit un peu dans la production de ce qui se passe. Oh putain, ça va être mort. Vous voyez cette carte? Il a le signe Tal, je suis certain, qui m'a mis un mur du labyrinthe. Parce qu'en fait, on peut reconnaître les murs du labyrinthe grâce au signe Terre, en fait. Bon, invoquons Jaigumo. De toute façon, Jaigumo est quand même assez puissant. Je vais vous montrer que c'est un mur du labyrinthe. Je pourrais même couper ma main et me dire que c'est un mur du labyrinthe. Ok, je ne couperai pas ma main, en plus c'était un jeu de mots. Mais bon, va les mieux attaquer avec l'oiseau du soleil et vérifier la chose. T'as dommage. Le seul truc qui va faire chier par contre, c'est le truc. Bah quoi, tu es faible aujourd'hui? Ah oui, d'ailleurs, la musique, je la déteste. Je la déteste pour une raison. C'est le fait que la musique, en fait, m'a torturé parce qu'en effet, la majorité des adversaires qu'on affronte ici, mais oh, ils sont horribles. Et là, par contre, j'ai une main de merde. Mais bon, on peut invoquer la citrouille, notre fameuse amie la citrouille, et je pense j'aurai gagné. Et vous savez quoi, on va se faire le même délire qu'avec Mai, mais sauf que je pense que je perdrai très facilement. Mais on affrontera le prochain adversaire. Je suis clair net, je pense que j'ai déjà gagné. Allez voir. Oh non! Oh non! Bon, c'est pas grave, j'ai quand même gagné. D'ailleurs, ce monstre, ainsi que Barrax, est quand même très spécial, puisqu'en effet, vous voyez qu'il a quand même des défenses un peu bizarres. 1930 points de défense. Mais bon, au moins je suis heureux. Il ne m'a pas joué. Il ne m'a pas joué, pardon. La carte du mur du labyrinthe, je suis content. Et vous savez quoi, on va faire comme avec Mike Valentine, on va affronter Pegasus pour se la péter dans la frime. Bon, voyons voir ce que tu m'as offert, bah quoi. Sorcière angélique. Sorcière angélique, je crois, n'en a que 800 points d'attaque, donc on va s'en battre les couilles un peu. Par contre, je ne ferai pas de sauvegarde, par contre, parce que j'ai pas envie de me retaper, effacer mes enregistrements si jamais ça ne marche pas. On dirait que je ne réclamerai pas le titre de maître du jeu. Ah, ben, ça a l'air de t'en battre les couilles. Ou au pire, si, je pourrais sauvegarder, mais vraiment, si la sauvegarde bug, je préfère pas prendre le risque. Mais que... Et voilà, on a libéré Bakura de l'anneau du Millénium. Mon anneau du Millénium, il est aspiré dans une carte. T'as l'air choqué. L'anneau, il me manipulait. Bah quoi? Merci Yugi, je suis maintenant débarrassé de l'anneau du Millénium. Faut savoir que normalement, l'anneau du Millénium, tu vas t'en débarrasser plusieurs fois et elle va revenir à chaque fois. Reste concentré Yugi, pense, gagnons. Ouais, for the win. Et maintenant, que désires-tu? Vous savez quoi? J'enlève la capture en forêt. On va faire un petit saut. En fait, l'épisode, vous allez être surpris, mais je vais pas dire bonjour dans le prochain épisode, puisque je vais couper. Et on se retrouve rapidement, direct, du coup. Je vais même pas faire de duel libre pour le prochain épisode. Donc, l'épisode va être ultra rapide. Appuyez vite sur le bouton. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!